répondre aujourd'hui. Alors c'est parti, dans quelques instants nous allons envoyer le centre d'opération à la flotte. Donc dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Web. Web. Web, web, web. Yep, yep. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Néo. Bonjour Néo, comment vas-tu? Bonjour Arnaud, comment tout ça va? Tout à l'heure, on a fait... je vais très très bien. Tout à l'heure, on a fait une petite vidéo avec Cédric. Cette fois-ci, c'est avec Néo, parce que Cédric n'est pas disponible. J'ai oublié de vous poser la question, mais dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît, de voir des petits tests à la con, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, avec du monde, j'ai l'habitude de les faire tout seul. Là, cette fois-ci, je m'accompagne de plusieurs personnes sur GTA Online. Donc dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez mieux, etc. Comme ça on pourra faire plus de tests sur GTA Online. Et moi de mon côté je pourrai en faire plus de mon solo. Aujourd'hui c'est Néo qui va vous présenter le test qu'on va faire pendant que je vais lui voler sa moto. Voilà, tout simplement. Hop là, je me casse, au revoir. Au revoir. Donc aujourd'hui on va voir si le centre d'opération est toujours actif, si on peut toujours l'utiliser, s'il est dans l'eau. Donc moi je serai dans l'eau et je serai dans l'arrière du camion et Arnaud lui sera à l'avant en train de conduire le camion dans l'eau. Waouh, c'était pas mal, mais t'as eu un peu de mal. j'ai bugué. Je vais vous laisser faire les intros pour voir comment ça va être. Ah, je pense que ça va être drôle. Bref, vous l'avez compris, on va prendre le centre d'opération mobile et on va l'envoyer dans la flotte. On va voir ce qu'est-ce qui va se passer quand on va envoyer ce petit centre d'opération dans la flotte. Est-ce qu'il va continuer à fonctionner? Est-ce que il va se passer quelque chose? C'est ce que nous allons vérifier. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à proposer d'autres idées de tests à faire dans l'espace commentaire. La chose qui serait sympa, j'ai fait un truc. J'ai réussi à passer sous les camions avec la moto. Tranquille, pépère, posé. Magnifique. Tu restes à l'intérieur, c'est ça hein? Ouais. Tu restes. Je suis là, moi. Tu restes. Ok. Alors, descendre du véhicule. On va laisser la moto à l'intérieur, nous on va se casser. Hop. On va prendre le centre de commandement, on va l'envoyer dans la flotte, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être détruit? Est-ce qu'on va pouvoir toujours l'utiliser en étant à l'intérieur? C'est une très très bonne question et nous allons y répondre aujourd'hui. Alors c'est parti, dans quelques instants nous allons envoyer le centre d'opération à la flotte. Donc dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ok, donc c'est bon là, on est en train de rouler dans la flotte, hein, tranquillement, posément. J'ai eu un écran tout noir. Voilà, il se passe absolument rien, tranquillement. J'ai été éjecté. Moi, j'ai été éjecté sur la plage aussi. Le centre d'opération mobile a été détruit et renvoyé à votre bunker. Mais non. Moi, dès que ça a touché l'eau, j'ai été téléporté à la plage, moi. Mais non. Direct. Ouais. Mais non. T'as dit 3, 2, 1, go, et là, ça, l'écran noir qui arrivait. Attends, je veux redemander. Tu vas le demander, centre d'opération. Hop. Est-ce que ma moto est toujours à l'intérieur? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que ma moto est toujours dans le centre d'opération ou alors elle a disparu? C'est la très bonne question. Le centre d'opération est garé à proximité. Dirigez-vous, machin, pour le voir. Où est-ce qu'il est, mon centre d'opération? Vas-y, tiens, nickel. Rentre dedans. Moi, je vais à l'arrière. On va voir ce qui va se passer. Alors. On va voir si ma oppresseur est toujours dedans. Non, attends, je suis pas rentré. Alors. Je suis pas rentré. Calme-toi. Ok, rentré seul. Attends, je me mets en place. Ok, donc c'est bon, je suis à l'intérieur. Bon, ma oppresseur a des spawns. Ah, je suis déçu. Oh, la déception, quoi. Attends, je vais me mettre dans les tourelles. Je vais me mettre dans les tourelles. Ouais. Dans les trucs pour tirer, là. Hop. Allez, mets-toi dedans. Attends, je vais me mettre dans les tourelles. C'est ce que t'avais fait, toi aussi? Moi, j'ai essayé, je me suis assis, puis ça m'a fait l'écran noir. Ah ouais? Ouais. Attends. Attends, on va pas encore à la flotte, hein. Vas-y, non, t'inquiète, bon. Tu sur la plage. Vas-y, c'est okay. Bon, va à la flotte. 3, va la flotte, let's go. Allez, 1. Va la flotte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir... What? Ah ouais, en effet, ah ouais, tu touches à peine l'eau, à peine tu effleures l'eau, et direct t'es téléporté sur la plage. Ah ouais, en plus, il laisse pas la carcasse dans l'eau. Votre bunker. Hein? Il renvoie la carcasse, il la laisse pas dans l'eau. Ouais, t'as vu?
C'est pas comme si la carcasse restait et tout, c'est il disparaît. C'est un peu con ça. Il disparaît en fondu et tout. Mais on a l'impression que tu peux pas vraiment le bloquer le truc sans qu'il disparaisse. Tu peux pas le laisser où tu veux en fait. C'est-à-dire que s'il est bloqué, bah c'est pas possible. Bon bah écoutez les amis, on a répondu à la question d'un abonné. Est-ce que nous pouvons utiliser le centre de commandement dans la mer? La réponse est malheureusement non. Vous ne pouvez pas envoyer votre centre de commandement dans l'eau. Ça aurait pu être sympa de pouvoir l'envoyer dans l'eau. Je sais pas, il aurait pu flotter ou un truc comme ça, vu que certains véhicules peuvent flotter et tout. Malheureusement ce n'est pas possible. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de me dire dans l'espace commentaire, à me dire d'autres tests à faire dans l'espace commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine. Merci Néo d'avoir participé à cette vidéo. Tu peux de rien, revoir. Merci à toi. Tu peux dire au revoir parce que t'as pas l'habitude au de revoir. Dire au revoir. Hein, voilà, merci. Et bah nous, on va se dire à la prochaine. Allez, bye tout le monde.